Salut tout le monde, on se retrouve pour un live sur GeoGuessr. La revanche suisse ou la revanche à Switzerland. Comment ça va? Comment est-ce que vous allez? Passez une bonne soirée, etc. Tranquille, la famille et tout. Pour ce soir, ça va être un peu calme. Bon, évidemment, comme d'habitude, il y aura une partie France, c'est-à-dire on fera la France. Puis ensuite, il y aura la Suisse, qui est du coup le principal sujet. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé en 24 heures? Absolument rien. Absolument rien. Il ne s'est rien passé. Non, plus sérieusement, je suis en train de réfléchir à revoir les plannings de base. Bien sûr, à garder le GeoGuessr pour le vendredi, mais à move certains trucs pour que ce soit plus espacé. Parce qu'on va dire que là, vu que j'ai tout décalé les lives le soir, c'est-à-dire que j'ai 3 lives à la suite ou c'est le soir, j'ai besoin des moments de respirer un petit peu, tu vois. Donc je me dis peut-être d'en décaler un à mardi ou au lundi ou mardi. Histoire d'avoir une espèce de variation. Ce qui peut être pas mal. Parce qu'en vrai, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'un coup. Enfin, c'est quelque chose que j'y pense. Donc je vais peut-être revoir un peu les plannings par exemple pour le mois prochain. Enfin pas pour le mois prochain, mais plutôt pour la partie 2 de décembre. Parce que là nous sommes à la première partie de décembre. Donc c'est-à-dire après le... Attendez, je vérifie un truc. Après le... Ouais, sachant que là on est en train d'entacher la première semaine, la deuxième semaine. Ah oui, donc il y aura une espèce de décalage plus une semaine en plus. Ouais, on va essayer de manager pour que... en sorte que les deux semaines soient celui du 20 au 31. Quoique, en vrai, la semaine du 31 avec le 25 décembre, ça va être compliqué. Donc en soi, on verra bien. On verra bien. J'essaierai d'espacer un peu plus les lives et tout. Il y a quelques modifs que je vais faire. Des grosses modifs. Mais enfin, on verra ça pour plus tard. Je vous propose qu'on commence maintenant. Pour commencer, faire France. France. D'ailleurs, il y a une petite mise à jour qu'ils ont fait sur GeoGuessr. Ah, c'est sympathique. C'est très sympa. J'ai rien compris, mais c'est très sympa. C'est très intuitif en plus. Vous allez voir. Ok. Par exemple, nous sommes ici. Je vais voir ce qu'il y a là. Bah, tiens, justement, 5e arrondissement. Ah, ouais, on est à Paris. On est clairement à Paris. Ah oui, on est clairement à Paris. Ah mais attends, j'arrive sur un point avec un panneau très intéressant. Je me dis, ok, c'est bien. Je mets un checkpoint. Voilà. Et maintenant, je vais un peu plus loin pour checker autre part. Maintenant, je vais là. Et je fais, ah zut, il faut que je rebrousse chemin. Tu cliques sur le checkpoint, au lieu de revenir sur le point de start. En cliquant sur checkpoint, ça te ramène là où tu étais. Enfin, là où tu as cliqué sur le checkpoint. Et si tu veux revenir à ton point initial, tu peux revenir au point de start. Après, si tu reviens au point de start, ça te défait le checkpoint. Il faut poser à le garder. Attends, je fais une expérience. Je mets le checkpoint ici. Je rebousse là. Ouais, ben ça reste le checkpoint. Donc, ouais. On va faire très attention. Mais c'est une petite feature très sympathique. Alors, 5e arrondissement, rue de Montagne Saint-Geneviève. Intéressant. Vieux mur. Bâtisse. On a une église. Je sais pas souvenir qu'à Paris c'était comme ça. C'est clair d'un coup. Ok. Moi j'ai vu. Ah oui, bon, on est bien à Paris, ok. Les bus de la RATP. Alors. Paris, 5e arrondissement, 11e, 19e, 9e, 7e, 15e, je crois qu'on est en bas, 7, 6, 5, 5 c'est là.
Maintenant, reste à savoir dans quel coin c'est exactement. Attends, il y a l'espèce d'église. L'église Saint-Médard, est-ce que c'est ça? L'église. D'ailleurs, maintenant, vous remarquez plus qu'il y a la boussole n'est plus là. Je crois qu'elle était là ou là. Je crois qu'elle était là. Maintenant, il faut se fier avec celui-là. J'allais par là parce que je n'ai pas la moindre idée où je vais. Centre culturel irlandais. Place d'un Panthéon. Ah, c'est un Panthéon, ça. Ah oui. Ah oui, c'est la Panthéon. La Panthéon. Pas si loin que ça. Parnasse. Toujours dans le cinquième, donc on est dans ce coin-là. La Panthéon. J'espère qu'il est sous mes yeux. Il y a du cinquième. Odéon. Odéon, c'est là où il y a le théâtre. Le théâtre Odéon. Quand même un grand théâtre. Cat game. Des ponts. Oh merde, je sais plus où c'est alors. Il y a quoi au fond? Ouais, tour Eiffel. Ok, là je suis en train de regarder est, nord-est, nord. Ok. Ok, donc. Bois Saint-Germain. Sorbonne. Église Saint-Séverin. Pas par là. Putain mais en plus c'est on a parlé récemment de ce truc là de la Panthéon récemment et comme un con je... quel enfer, je me perds sur Paris alors que je connais Paris. Par contre c'est très joli. C'est un observatoire? Ah oui, il y a un observatoire. Paris 5ème. T'as la Panthéon qui est là. Ah putain, je l'ai su, j'ai oublié. Il y a une place avec un parc. Alors, là je suis en nord. Je suis à l'axe nord, là c'est sud. Là on a un parc. Châtelet, Panthéon. Mairie du 5ème arrondissement. Premier arrondissement, non 5ème. Ok. Métro, RER. Ah, mais je suis con, je crois que je regarde les métros. Celui-là. Là. Luxembourg, ok, c'est là. Luxembourg, ok, c'est là. Ok, c'est bon, j'ai Luxembourg. J'ai Luxembourg. Ça veut dire que. C'est pas forcément bon endroit. Saint-Sulpice, ça doit être lui alors. Celui qu'on a vu. Non. Place de l'Odéon, non. Palais de Luxembourg, c'est ça. What the fuck? Luxembourg, ok, c'est là. Ok, Panthéon, c'est là. Ok, c'est bon. J'ai. Ça y est, j'ai. Cathédrale Notre-Dame du Liban, ok. C'est bon, j'ai réussi à me repérer. Rebac. Il y a cette rue. Je suis allé par là. Il y a une espèce d'église ici. Ensuite, ouais, on arrive derrière le Panthéon là. Ok. Ok, l'église c'est là, on a cette rue là, c'est ici, on était à rue La Place, on était à quelle maison? 1, 2, entre 2 et 3 ici. Ok. C'est bon, on y arrive, c'est bon. C'est là, on est là. C'est bon, 3 mètres, suivant. Oh la vache. Putain, heureusement que le parc du Luxembourg ça m'a aidé parce que à la Panthéon j'arrive pas à le trouver. Charger. Tu peux le faire. You can do it. Tu peux le faire. Allez. Allez.
Valeur? Valeur? Internet? Attends. J'ai une panne? Oh non, j'ai pas une panne. La souris qui marche plus? Ok, ça, en fait, j'ai eu un espèce de freeze. Ok, d'accord, super. Bah, yes, cool. Ravi que ça marche. Ok. Pas besoin d'aller plus loin, nous sommes en Bretagne. Le Croisy, ouais. Le Croisty, ouais. Loiret, Langonnet, ouais, on est largement en Bretagne. Notamment si tu regardes un peu l'architecture, c'est breton. Pas besoin d'en faire tout un fromage. Non, c'est à savoir dans quelle ville on est. Un peu comme aux autres bus. C'est des comme ça. Alors. Perdu, ok. Je connais cet endroit, les Mao. Oh, sûrement. Plouray, Langonnet. Oui. J'ai vu qu'il y avait le Croisty. Et là, on a quoi? Ouais, le Croisty. Le Croisty. Putain, le Croisty, c'est où ça? Ça me parle, mais j'arrive pas à savoir où c'est. Je l'ai dit. Ok. Attends, il y a plus de panneaux là. Oula, je suis un peu trop vite. Biscuiterie. Mangerai Morbihan, mais sans conviction. Non, ça ira, merci. Je vais me débrouiller. Je suis. Le principe, c'est que je me débrouille. Le Croisty. Croisé, que non, c'est pas ça. Bon, je crois que ce serait par là. J'entends rien du fait, voir si éventuellement la zone peut me parler. Le Croisty. On va move un peu dans l'endroit. Dans l'espoir de trouver quelque chose. On va aller par là. On va aller là. Alors. Dans le compte, peut-être pas trop le faire si je vais là. Plutôt prendre cette route. C'est un coin de Bretagne que j'ai un petit peu du mal à reconnaître. Les noms me parlent, mais sans plus, on va dire. Alors, on était à Tugdual. Saint-Tugdual. Ok. Tugdual. C'est quoi? Je vais mettre un point de raccourci à l'entrée de la ville. Là aussi, j'oublie le nom. Ok, baladons-nous un peu dans la campagne bretonne. Nature luxuriante. Ballot de paille. Ah, voilà ce que je cherche. Ok. Qu'est-ce qu'on a au menu? Rosteren, Plouray, le Croisty. Croisty qui revient assez souvent. Quoi ça? Meumeux. Ok, il y a des meumeux par là. Le Croisty. Putain, le Croisty. Je confonds avec le Croisty. Il y a aussi le Croisty. Attends, c'est où ça, le Croisty? Par là. Ça, c'est pénère. Ah, bref, je confonds avec un autre patelin dans le coin. Attends, il y avait quoi comme nom ici? En vrai, je vais remettre le point ici.
Merde. Quel con. J'aurais pas dû faire ça. Chier. Je perds mon temps. Je perds mon temps sur ça. Ah, quel enfer. Ah, je déteste. Je déteste quand ça m'arrive. Ah, quand j'ai du gourd. Moi, je pensais que ça allait reset le checkpoint. En fait, t'as le droit qu'un seul mettre un checkpoint et après, c'est finito. Ah, quel enfer. Ok, donc faut vraiment bien placer le truc. Ok. Là-dessus. Descend 10. Rosteren. Je sais pas pourquoi, mais c'est plus par là. Genre comme Rospoden ou des trucs comme ça. Un peu dans cette zone-là. Ah, mais cette ville me parle, mais. Oh, je suis convaincu que c'est pas par là. Bah, on va trouver ça tout seul. Attends, Plouray. Plouray, c'est là. Plouray, c'est là. Rostren, c'est ça. Ok. Ok, c'est bon, j'ai. C'est quel départemental descend 10 Rosseren, Plouray dans cette direction là. Plouray, Rosseren. Donc, le Crusty c'est là. Tinktugdal c'est là. C'est bon. On est devant la mairie. Normalement derrière moi, voilà, il y a cette rue ici qui part un peu comme ça. On a le croisé, on a l'église ici. Là on est face nord. Allez, on devine. 4 mètres. Allez, suivant. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok. Ouais, c'était pas très facile. J'ai juste cherché le nom, ça m'a tuté. Je saurais que Croatie, c'est par là. Oh god. Où est-ce que je suis encore fourré? Bon, déjà, au vu des arbres, des oliviers. Les oliviers, c'est par là. Dans le sud. Soit c'est le sud, soit c'est la Corse. Tu peux me dire lui? Putain, on dirait un. Putain, je croyais qu'il avait. Il avait la barbe blanche et tout, genre comme un marin. Je suis un petit peu déçu. C'est pas un marin. C'est un randonneur. C'est pas pareil. Par contre, je n'ai aucune idée si je suis en train de descendre la côte ou la remonter. Ça descend là, je peux pas aller. Non, c'est un sens interdit. Dommage. Non, c'est très joli. Très joli, mais j'ai l'impression que je suis pas prêt de redescendre là en fait en allant par là. Bon, dans l'espoir de trouver quelque chose, pour continuer. De toute façon, tant qu'à faire, je peux revenir en arrière. Oh là 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 là. Putain, en vrai, ce serait dingue de faire la même chose sur Minecraft. Mais bon. Prendre du temps à le faire. Ouais, je sais pas si en continuant on va trouver quelque chose. En vrai, j'ai envie de retourner et aller dans l'autre sens. D'aller par là, on va aller par là. Ah. Ah bah. Ah! Ah bah. Ah bah. Eh ben, ça carabine bien là-dedans, là, regardez ça. Bon bah, en fin de compte, j'étais dans la bonne direction. Ah yes. Par contre, en vrai. En vrai, il y a moyen que ce soit la Corse. Il y a moyen. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Peut-être. Peut-être qu'il y a un truc. On verra. Big up les Corses. On va venir au point de start, écoute. Hein. Et on va continuer tout droit par là. Enfin, en vrai, ça fait sens, un relief et à côté, tu as la mer. Mais bon, l'objectif, c'est de descendre en bas. En vrai, je sais pas si je peux glitcher.
Oh, il y a un truc là-bas. Là. Bah, je peux pas descendre en bas. Je peux pas aller par là. Non, non, je peux pas glitcher. C'est dommage, je peux pas glitcher dans ce jeu. Bon, on va continuer, écoutez. Hein. C'est le principe du jeu, c'est aller de l'avant. Ça va être très long. On traverse le pont. On continue par là. Ok, oula, j'ai croisé une voiture. On croise des voitures ici. Ah ouais, les voitures, ils s'écartent pour passer. Enfin, pour laisser passer. Ok. Ok, là, on a la civilisation. Donc, on s'approche éventuellement à... des habitations, ouais. On s'y approche, on s'y approche. Et là, il y a une rue qui descend. Je pense que ça va vers des maisons. Je sais pas si on peut y aller. On peut y aller. On peut y aller, mais... En vrai, si ça passe. Voilà. Je vais chez des gens par là, on passe par là. Ah, c'est une route en épingle. C'est bon savoir. Un bateau. Ah ouais, bah un bateau, oui, bah c'est, on est clairement au bord de l'eau, ouais. Hein. C'est, bah oui, ouais. Je pencherais Corse. Ah, ok, un impasse. Un impasse. J'aurais dû mettre le checkpoint là-haut. Ouais. Trop stupide de ma part. J'ai du mal à utiliser ce truc, ils ont ajouté ça très récemment, je crois, ils ont... Enfin, cette semaine, quoi. Mais bon, je m'y connais pas, enfin je suis pas encore habitué à ça. C'est un nouveau type de gameplay en plus, qu'on va dire. Tiens, d'habitude. Hein. Bon, continuons. Ouais, ça fait comme... Ouais, ça fait une île. Ça fait un... Ouais, on est au bord de terre et... Là, on a de l'habitation et tout. Et peut-être pas forcément dans une grosse ville en Corse, mais quand même dans une ville assez imposante. Après, je me convainc que c'est la Corse, mais si ça se trouve, c'est pas de la Corse. Hein. Les frères Pierry. Je vais y croire. Ça va être facile, enfin ça va être pas facile du coup avec la Corse, enfin avec la Suisse. Marrant ça. Ça va être très très drôle. L'enfer. Alors, t'avances ou pas? Ah, j'ai un panneau, c'est marqué quoi le piano? Enfin le piano, le panneau. C'est seulement interdit, ok d'accord. Que je cherche. C'est pas ce que je cherche. Continuons. En tout cas, c'est très joli. J'ai vraiment aucun indice. Tiens que des étoiles. Je sais pas ce que vous en pensez des cirques. Franchement, ça a jamais été mon kiff, même en étant gosse. J'ai été moi une fois ou deux. Franchement, j'en tire pas une expérience concluante. Ça m'amusait, mais voilà, c'était. Une bonne partie me suis fait chier, quoi, on va dire. Ça a jamais été notre centre d'intérêt, les cirques. Il y en a certains qui aiment bien y aller et tout, mais nous. C'était pas trop ça. Puis honnêtement, ça m'intéressait pas plus que ça. Ok, on est dans la ville. Ah non mais là c'est très
C'est très sud là. Oh la vache. Cabine télécom. France Télécom. C'était avant le truc avant Orange. Pour ceux qui rappellent, c'était des. Je regardais le point à l'arrière. Enfin le nom de domaine. Comme des espèces de livres blancs, tu sais, comme les livres quand tu ouvres en moitié, posés. Ça faisait ça. C'était ça leur box à l'époque. C'est vraiment de la merde. Bah, pas pour aujourd'hui, ouais, c'était clairement de la merde. Mais bon, à l'époque, c'était pas mal. Eh ben, ouais, on vient de par là-bas, je crois, ou par là-bas. On était dans cette zone-là. On a descendu toute la vallée là. Ça nous a pris du temps. Je pense que dans l'espoir qu'il y a. Ah putain, à chaque fois je vais trop vite. Ah, mes yeux, ils m'éclatent. Oh putain. Ah. Quel enfer. Ok. Ok. Bon, il y a des panneaux ou pas là? Ah, mais c'est pas ce que je cherche. Village Saint-Lucie. Non. Forza Bastille. Oh bah oui, bah là on est clairement. C'est Bastia, écoute. Hein. Dire ça? Nord. Ouais, la mer est à l'est. Bah oui, côte est Bastia. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ça. Ouais, ça savoir où exactement. Mais arrêtez de m'envoyer chez des gens quand je. Ce jeu là, ce jeu. Bon, je sais pas, c'est quand tu quittes un village, t'as le nom de ville. Je sais pas s'il y a ça. D'ailleurs, je sais même pas où je vais. Hein. Chaque fois, ça me mêle là. Ok. Carrosserie. Carrosserie, peinture mécanique. ATM Murati. Ok. EHPAD Saint-André. D'accord. Punetta, machin. Ok. Ok, je suis paumé. On va aller par là. Pas facile cette game, hein. Là, c'est en où je suis. En même temps, il n'y a aucun panneau qui me donne quoi que ce soit comme indice. Mais c'est terrible. Cette ville, il est écrit en longueur ou ça se passe comment là? Dingue ça. Ah, leur coiffure. Et quoi là-bas? Pas de panneau. Bigulia Village. Ah, Furiani, c'est bon. Ah, Bigulia, ça c'est ça. Ok, donc on est bien dans cette zone. Furiani, ok, c'est là. Du coup, on était où à Furiani? On a bien l'impression. On a roulé sur cette route là peut-être. Ouais, Furiani, c'est le petit village en haut, en compte, c'est ça? Genre le truc qu'on a serpenté. La plage. La mer est par là. Ouais, ça ferait sens que ce soit dans cette zone-là. Ah oui, attendez! Au loin, on avait vu les étangs de ces trucs-là. Genre ces trucs-là, là. On avait vu ça en haut. Oui. Oui, ça me parle. Ça me parle. J'ai envie de tenter un truc.
Je vois que dans quelle zone on est. Je veux juste voir par rapport à l'endroit où on a popé. Essayer de me repérer la route exacte. Là, je regarde en plein est. En plein est, j'ai cette vue-là. Moi, je vois ça. Donc, en vrai, en plein est, je suis sur cette route-là. Ça fait sens. Un truc qui serpente, là. La longueur. Et qu'au bout d'un moment, on arrive à cette partie-là. Là, on va sur une route qui mène à dans les champs. On a le virage d'ici. Alors un peu comme ce virage là. Je sais qu'à un moment donné, on traverse un truc d'eau. En vrai, je lance mes paris, on est là-dedans. Ça peut faire sens en vrai. On est à peu près casé à ce niveau-là. Si on regarde un peu toute la zone, voilà, c'est tout simple. Non, en vrai, non, je pense vraiment qu'on est dans ce coin-là. Je vais regarder par là. On n'a pas une autre point de vue où le truc il tourne sec. C'est un virage très sec ici. Ça doit être ces virages-là, je pense. Mais techniquement, là, à notre droite, on a une route qui monte, là. Peut-être ça. Peut-être ce truc-là. Ça n'a pas l'air. Un peu plus loin, peut-être. Parce qu'en vrai, on pourrait être là. Il y a des maisons au fond. En vrai, si ça se trouve, c'est pas ça. En vrai, s'il y a des habitations là-haut. Donc, ça peut. J'en sais rien. On verra. Mais je pense qu'on est dans ce coin-là. Ok, là, j'arrive au. À l'arrivée. Là, on dirait comme un. C'est un coin à maison, quoi. Ouais, ça peut être ça. Hein. Ça peut être cette route-là. Hein. Mais nous, on a popé ici. C'est une route qui part un peu au nord. Un peu là. J'en suis pari, on est là. On devine. 0 mètre. Allez, bim. C'est bon. Trop fort. Repéré grâce aux étangs. Le visuel, mon gars, le visuel. C'est comme ça que ça marche. Non, en vrai, c'était vraiment un coup de chance aussi. Ça aurait pu être le mauvais virage. Ok. Ouh, il y a un panneau comme ça, un panneau touristique. Je vais voir ça plus près. Montre-moi ce panneau touristique. Qu'est-ce que c'est que ça? Pays Mélusin. Forêt Saint-Sauvent. Un truc roman. Donc, c'est de la France, cette partie-là. Maintenant, cette partie-là. Ok. Ok. On va trouver ça. Ah putain, par contre, la partie corse, la vache! On peut dire qu'il est corsé. Lol. Non? Non? Personne? Non? Vraiment? Personne? Dommage. RIP. RIP. Dommage. Alors. J'adore ça. J'adore ces panneaux. J'adore ce croisé. Ce genre de croisé où t'as tous les panneaux. Alors, Vivonne, Lusignan, là on a Saint-Sauvent, en effet il y avait la forêt qu'on a vue,
Coué, Saint-Sauvent. Un peu dangereux l'orage là-bas. Lusignan, Vivonne. La D7. Quoi ça? Panneau là. Chemin de la Liberté. Ah, Croix de Lorraine. Par là peut-être. À la mémoire des glorieux soldats sans uniforme tombés à cet endroit le 27 juin 1944 pour la paix et la liberté. D'accord. D'accord. On est dans un endroit historique. L'histoire. L'histoire. Très intéressant. Ok, continuons plus loin. De tomber sur ce qu'il faut ou dans cette ville. J'aurais dû mettre un chien de poing d'ailleurs, c'est un peu con de ma part. J'oublie de le faire. J'oublie à chaque fois. L'instant, c'est une route qui part au nord. Vient du sud. Enfin, on vient d'une route qui. Enfin, on vient de la partie sud de cette route. Enfin, notre point est au sud de cette route. Ah, oh, oh, changement d'ambiance. Il fait bon d'un coup. J'adore les caméras qui surpopent à chaque fois. Du coup, tu tombes jamais sur la même météo. Ah, oh, 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 des panneaux verts. Poitiers, New York, ok. Poitiers. Par contre, fun fact, oui, fun fact, je n'arrive jamais à trouver Niort. Jamais. Genre vraiment. Genre, à chaque fois que je mets. Ah, Vivonne, hein. Vivonne, c'est là. À chaque fois que j'essaye de mettre. De placer le panneau. C'est de chercher Niort sur la map, je ne le trouve jamais. Je vois Never, mais pas Niort. J'ai beau à trifouiller la zone, jamais je le trouve. Pourtant, je suis sûr qu'il est sous mes yeux. Mais je sais pas, il n'apparaît pas. C'est un truc de fou. Je vois Poitiers à chaque fois, mais après, pour trouver Niort, tu vois, mais merde, c'est où? À chaque fois. Et je sais pas pourquoi, mais c'est un problème que j'ai avec cette ville. Je ne la trouve pas sur la map à chaque fois. Même là, je n'arrive pas à la trouver. Elle me saute pas aux yeux. Elle me saute pas aux yeux, je n'arrive pas à la trouver. Je ne le vois pas. Niort n'existe pas. Terrible. J'ai beau à scruter partout, je ne trouve pas Niort. Alors, Chérian, Cholet, Nantes, Bruxelles, Choret. Ah bah voilà. Je viens de comprendre. Regardez. Niort, c'est là. Choret. Bam, Niort. Oh l'arnaque. Ok. Donc on est à proximité de Vivonne. Vivonne. Il y avait cette forêt. Forêt qui avait un nom. Le jardin du coin. Ça, on l'a vu passer. Je sais plus sur quelle route on est. Je vais revenir au point de départ. On est par là, au nord. On va le croiser. Parce que j'ai oublié le nom de ville qu'il me fallait. Et j'ai oublié de mettre le checkpoint à cet endroit-là. Chose que j'aurais dû faire. Donc je perds mon temps. Ok. Ok, nous y sommes. Alors. Celui qui a 12 km, c'est quoi? C'est quoi comme ville? Coué. Coué, Saint-Sauvent. Et là-bas, on a Lusignan, Saint-Sauvent. Et c'est flouté.
Yvonne. Yvonne, celle-là. Lucignan, celle-là. C'est le croisé ici, c'est ça. C'est le croisé qui est là. Tant souvent celle-là, ok. Ok. La D7, c'est bien celui-là, c'est bien cette route. Point de départ. Ok, comme ça, on a une grange avec une petite ferme au fond. Plus loin. Cette grange là. On a une petite route qui part à droite et à gauche. Et on a un croisé ici. Petite route. Oh, excellent. Petite route et ouais, comme ça. Ça. Ouais, normalement à cet entrée là il y a un petit léger virage. Pas de léger virage. Ça? Ah, ça doit être lui alors. Que non, j'ai plus croisé ça un peu plus loin. Non, attends, il y a des. Attends. Rapport à en bas. Non, c'est bon, ça correspond. Ça correspond, c'est bien ça. Donc, ici, on a un petit. On n'a pas de petit virage, donc ce petit virage est plus loin. Le petit virage il est là. Et c'est ça. Virage c'est ça. Et pourquoi il n'y a pas de croisé sortant de là? Ah c'est ça. C'est ça? Non c'est pas ça. Attends. Attends, c'est quoi ces douilles? C'est quoi ces douilles? Ce truc qui apparaît sur la map et qui n'existe pas. Attends. C'est ça l'entrée? C'est ça ce truc? Bordel. C'est quoi ce bordel? J'arrive pas à comprendre. Là on a là une espèce de petite chapelle là. Je parie pas là-dessus. C'est la bonne route, pourquoi il ne marque pas? Là on a le croisé qu'on a vu. Fuck. Ok, ma foi, ouais, des trucs qui n'existent pas. Ouais, on doit être par là. Bah, écoute, ouais, bah la ferme derrière et tout. Ah, c'est ça. Route. Non, c'est vraiment très récent. On va être là. Ok, 120 mètres. C'est pas grave. Suivant. Oula. Oula. Oula, qu'est-ce qu'on a ici? Oula, on a un tramway qui passe. Oula, de la neige. Ah non, c'est pas de la neige. avenue du Gina. Ah, je sais où c'est. Attends. Caluire en cuir. Bourg. Lieu A46. Lieu centre. Peut-être par la Bourg-en-Bresse, Lyon. Je sais qu'on est à. On est par là. Putain, j'ai les su. Je crois que c'est à proximité d'une ville. Peut-être Chambéry. Non, c'est pas Chambéry. C'est pas Annecy. Pas Aix-les-Bains. Non, c'est pas Aix-les-Bains. Attends, c'était où déjà? C'est dans ce coin-là, c'est dans ce triangle. Je me rappelle de ça, je me rappelle de cet endroit. J'ai déjà fait une partie à cet endroit-là. C'est juste qu'à chaque fois, je sais pas où c'est. Bourg A46. Bon, je trouve la A46. Ok, la A46, c'est ça. Ok, donc on est dans ce coin-là. Donc on est... Riel Pape, c'est là. Donc, Rieux-Centre, c'est là. Maintenant, faut que je trouve le tramway. Tramway, il fait une espèce d'axe. Nord-est, sud-ouest. Nord-est, sud-ouest, donc c'est ça.
C'est on suit une espèce de route. Ouais, c'est un truc qui va par là. Non, attends, là c'est autre chose. Ça, c'est pas ce que je cherche. Ah ouais, très très dur. Ah oui, très très dur celui-là. Attends. Qu'est-ce que c'est un menu que je cherche ? La D484, D483. Oui, mais il n'y en a pas de départemental là-dessus. Ok, Lyon, Caluire, Centre. Caluire. Caluire, et le Pape. Caluire et Cuire. Cuire, Cuire, que on sache. Avenue Général Leclerc, c'est là. On était dans une zone et il y avait. Où il n'y a rien. Avenue de l'Hippodrome. Général Leclerc, avenue de l'Hippodrome. Avenue Pasteur. Là, on a les commerçants sur tout le long. Avenue de l'Hippodrome, c'est là. Avenue du Général Leclerc, c'est là. Pierre Devray. Pierre Devray, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, on est sur route là. Ensuite, si on prend point de start, on était quelques mètres. Quelques mètres à tout casser. Ok. À peu près. Vraiment, il y a une espèce de truc, une espèce de construction qui s'est fait sur le côté. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça qui apparaît sur le côté là, ce truc là? Comme un tout l'air. Dans tout l'air. On devrait l'être légèrement ici. Les entrées de virage là, on est à peu près là. 27 mètres, c'était pas bon. Merde. Tant pis, c'est pas grave. Bon, on a fait quand même 24 995. C'est déjà bien. On passe niveau 15, c'est déjà bien. Ça va. Par contre, je veux voir combien de temps j'ai mis. J'ai mis 44 minutes. 44 minutes, c'est très bien. Alors, 5000 points, Paris, j'ai mis 6 minutes, c'était pour trouver. Bah déjà, cette église et surtout le Panthéon. Je ne sais pas où se trouvait le Panthéon. Maintenant, je le sais. Ça va être plus simple maintenant. Si jamais je trouve, je suis à chercher le Panthéon. Ensuite, le suivant qui m'a mis 7 minutes. 7 minutes plus 2, c'est en Bretagne. Un petit peu plus dur ici, on était à Saint-Tugdual. Un peu au centre de la Bretagne. Dans le Morbihan. J'avais cerné que c'était le Morbihan. Mais après, où exactement dans le Morbihan, voilà. C'est bon, j'ai quand même réussi à me repérer, c'est grâce au nom de ville aux alentours. C'est pas facile. Le troisième round. En Corse. J'ai mis 16 minutes. Ah, j'ai pensé que j'aurais mis plus. On était dans ces routes-là. Pour me repérer exactement l'endroit précisément où je me trouvais, je me suis aidé de cet étang. Grâce à la vue de l'étang, j'ai pu gérer l'emplacement, la zone. Puis après, je me suis préparé par rapport à cette route-là qui rentrait un peu plus dans les terres. Là, on serpentait sur les bords, au bord du relief. Ça va. Et puis, aussi une indice qui m'a permis de guider l'endroit. Déjà, l'endroit, pour commencer. La géologie. Mais surtout, les panneaux avec les trous de piste, les trous de fusil dedans. Et là, ça m'a mis la puce à l'oreille. Oh, la réputation des Corses. Oh, c'est chaud. Après, en descendant un peu plus bas dans la ville, j'ai trouvé un tag avec Bastia. Un truc en lien avec le foot. Voilà. Ça m'a permis de donner une petite idée où ça se trouvait. Puis après, Biguglia, Furiani, ouais. Donc c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, le round 4. Round 4, qui était proximité des Poitiers. Auquel je cherchais Niort, mais quand tu dézoomes, tu vois plus le nom de la ville, évidemment, tu sais jamais où ça se trouve. Sauf si tu zoomes à ce niveau-là. Regarde, là tu vois Niort. Là tu le vois plus, là tu le vois plus, là tu le vois. Pas de sens.
enfin, c'était ici sur la D7. Le plus compliqué, c'était de voir exactement où ça se trouvait. Je viens d'ouvrir de Google. C'est pas ce que je voulais faire. Non. Non, 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 non. Non, non, je veux pas voir ça. F12. Eh! C'est bon. Puis le dernier round qui était à Lyon. Je suis tombé sur à peu près le même endroit la dernière d'autres fois, donc bon, enfin, ça on va dire que ça compte pas. J'avais à peu près c'était. Bon, c'est pas mal, hein. Donc 155 mètres au total, quand 4 minutes. Honnêtement, c'est une bonne partie. C'est une partie moyenne. Niveau moyenne. C'est honnête. Je valide. Validé par la street. Bon. On va faire ce petit gars-là. La Suisse. La Suisse qui est très hardcore. La revanche. Notre objectif, c'est le gold. Donc ça veut dire qu'on va passer énormément de temps là-dessus. Je vais passer limite toute la soirée dessus. En une heure, j'ai fait 18 000 points. Il y en a qui l'ont fait en 55 secondes, 25 000 points. Je le disais pour vous, mais ça, c'est un bot. Ça, c'est un bot. Ça, c'est un bot. Peux pas jouer aussi rapidement. Allez, c'est parti. Commençons. La Suisse. Switzerland. Je sais pas si ça se dit. Enfin, si ça se dit comme ça. Ok, bah pour commencer, on a des trucs très intéressants. Des panneaux. Zurich, Fugaheim, Gladberg, Schaerbeek. Zurich est là. Je vais voir plus en détail les panneaux vont là-bas. Ok. Fugaheim, Gladberg. Ok, donc la partie allemande de la Suisse. Lenzburg. Tiens, je croyais que c'était marqué Lenzur. C'est marrant. Si je regarde l'axe, on regarde au sud. Donc en vrai, au nord, ce sera plutôt ça. Ce serait plutôt vers le bas. Fegenheim, c'est là. Zurich, ok. Donc on a l'aéroport. Schaeboler. Gladberg. Que c'est sur l'axe? Je crois qu'on est en train de descendre cette route-là en vrai. La 51 ou la 4. Je regardais plus en détail par là. Pas ce qui est marqué. C'est pas facile la Suisse. Schaerbeek. C'est train ça. Une gare. Gare pas loin. Redbird, hop, 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 ficon. Oh, hop, ficon. Là. C'est ça. Ficon, c'est ça. Sachant qu'on se dirige vers nord, nord-est. Qu'est-ce qu'on a? Herb, Schaerbeek, dans cette direction. Schaerbeek, ce serait ça. C'est vrai que c'est un petit patelin. Ça. Puis con. On a quoi? Avec ça. C'est. Ce truc. Ah, c'est une station d'épuration? Ou de récupération d'eau? Ok. Ok, je croyais que c'était un truc important ou un bail du genre. Ça me rassure. Fingerion, Flugostrasse. Ok.
Pour les prononciations, j'en suis sûr que c'est pas du tout ça. Soyez indulgent, je suis français. Stadmit. Qu'est-ce que c'est? Là, il y a des panneaux. Zurksach Rumlang. Ah. Voilà. Zurksach Rumlang. Oh. Où est l'icône? Pardon, ça faisait juste marrer. J'avais lu autre chose. J'ai lu autre chose. Rumlang. Rumlang, c'est ça. Zursach. Peut-être un peu plus haut, je pense. Ok, donc je dois dans ce coin-là. C'est peut-être ça, c'est peut-être cette route-là. Peut faire sens. Revenons par là. Normalement, oui, j'ai l'impression que c'est ça. On a cette route qui descend par là. Normalement, si on va par là, on va tomber sur une voie ferrée. La voie ferrée ici. La voie ferrée là. Donc on est sur cette route-là. Ok. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé. En arrivant là, on a une petite route qui part ici avec des silos. Ça doit être ça. Ça doit être ces trucs-là. La route comme ça. Voilà, c'est ces trucs-là. Non, de l'autre côté. Côté, il va y avoir des trucs. Des trucs derrière. Là, on a un croisé. On a un croisé. Le croisé, ça doit être. Ça doit être ce truc-là. Je pense. Si je m'y approche. Ouais, c'est ça. Qu'on a un peu entre les deux. Entre ça et ça, on est à peu près géré là. 28 mètres. Allez, on va laisser peser. C'est validé par la suite. Ok, suivant. Vichnandosa. Ok. Toujours dans le côté suisse-allemande. Oh les chalets. Oh là 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 là, les chalets. Du chalet. Aïe. Mon doigt. Excellent. Excellent chalet. Chalet, chalet, chalet. C'est très joli en vrai. En vrai, quand on joue à un jeu de sorte, tu ne te rends pas compte, mais t'as vraiment des trucs stylés. C'est vraiment très très joli. C'est très joli, mais par contre, je sais même pas du tout où je vais. On va assumer en allant là-bas. On va assumer quelque chose. Bon, par contre, ça a l'air d'être un village un peu paumé. Donc, ça risque de durer longtemps. Ou peut-être pas en fin de compte. Qu'est-ce qu'on a? Ça gogne. Ouais, dis-donc, ça gogne. Hein. Oh là là. Oh, les jeux mots que tu peux faire avec ça. Alors, on a un réseau de bus. Ustria, Posta, Velia. Ah. Peut-être le côté italien en fin de compte. Attends, je vais voir les Wittgenstein. Auto da Posta. Ah, mais en vrai, je sais pas. Ça me dit quoi sur la map? Viens voir la carte. Je trichais, je vais voir la carte. Il y a une rivière qui passe. Schlieren. Schlieren, mais il y a une rivière qui passe. C'est un lac? On s'est rien détruit une rivière. Qu'est-ce qui fait rivière? Moi, je suis en train d'entendre le bordel qu'il y a dehors là, il y a du vent. Oh! Ça souffle là. Il y a surtout des lacs de montagne. Ça n'a pas l'air de ressembler à un lac de montagne, ça ressemble un peu à une espèce de rivière. Schlieren. En vrai, je serais tenté que ce soit cette partie au-dessus. Non, c'est pas ça. Plus.
l'air d'être, tu sais, un lac, un peu, ou alors une rivière comme celui-ci. Une rivière un peu comme celui-là. Et genre un endroit, ça fait un espèce comme ça. Comme ici, mais enfin une espèce de petit îlot central. Ouais, la chance pour trouver exactement ce que je cherche dans une autre rivière là. Là-haut. Ouais, non. On va fouiller un peu plus la zone. Via Caseta. Ah, après c'est... Ah, c'est chaud parce que c'est ça peut être aussi le côté italien. Il n'y a pas vraiment de rivière, de grosse rivière comme ça dans la partie italienne. Parce que du coup, je me fie un peu à l'aspect géologie et enfin, à l'aspect physique plutôt de la zone. Et moi, après, ce qu'ils me proposaient sur la carte. Mais en vrai, ça va être compliqué, hein. Parce que les suites italiennes sont plutôt dans ces zones-là. C'est là la vallée, là t'as Aoste. Enfin non, Aoste c'est celle-là. Et au-dessus t'as aussi une partie un peu franco-italienne là. Puis après là c'est full italien. Et la partie au-dessus c'est très c'est allemand. Donc en vrai ah en vrai je sais pas. Hein. En vrai les noms me foutent le doute. Je pencherai sur la partie italienne, mais y a rien qui peut ressembler à ce que je cherche. Par rapport à ça. Ah, je sais pas s'il y a exactement la même chose de l'autre côté. Non, absolument pas. Ah, des escaliers qui descendent en bas. Ah, c'est un passage souterrain. Oh. Enfin. Par contre, c'est un point intéressant, donc je reste d'y revenir. Attends, il y a un nom de assez italien. Ustria Postaviglia. Calanda. Calanda. C'est un canton. C'est un canton, ça. C'est un nom d'un canton. Ça ressemble à un nom de canton. Canton de Berne. Non, ça n'a pas l'air. Ah, j'y croyais. J'y croyais que c'est un nom de canton. Bon. Ou alors Calanda, c'est la grosse ville la plus proche. Je sais pas pourquoi, mais quand j'étais petit, j'ai toujours pensé que Saint-Moritz, ça c'était en France. Tu peux. Quand je suis jeune, ouais, tu n'étais pas forcément à de penser que ce soit par là. Je confondais pas mal avec Morzine. Une ville montagne en France. Très jolie d'ailleurs. Très jolie Morzine. Morzine et Avoriaz. Schlieren, ouais, je suis bien dans son village. Bienvenue, bienvenue à Schlieren, ok, ouais. Définitivement dans la partie italienne. Hein. C'est très dur. Ah, m'emmène dans des endroits que j'ai pas envie d'y aller. Ah mais ces bugs là. Ah mais c'est relou. C'est relou quand ça arrive. Des fois tu vas un peu trop vite et d'un seul coup tu te trouves sur une route de campagne et impossible à revenir sur la route initiale. Après le nombre de fois que ça m'est arrivé. Le jeu il est bien, mais quand ça t'arrive, oh là là, tu désexaspères un peu. Il n'y a pas d'intéressant. Ah, c'est des stations de ski ça. Senon, Disanti, Rigel, Wensburg, Upper Saxon, Lumnesia, Vals.
Du coup, un peu cette partie-là. Genre proche de l'Italie, mais avec des noms allemands. Idée. Je n'ai vraiment gagné. Real Bagels. Là. Là, j'ai vu. Julien, c'est là. C'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé, c'est bon, j'ai. Ah oui, ça fait sens, regardez la rivière ici. Ah ouais. Ok, c'est bon. Je reviens ici au checkpoint. Le checkpoint, ça m'emmène ouais, à cet endroit-là. Ok. J'étais un peu au centre du village. Avant, je traverse une espèce de rivière, ça doit être ça, je pense. Ouais, c'est ce truc-là. C'est ce rivière-là. Donc, on était à cette place ici. Le bus et tout. Prenons point start. Une route qui montait, là, une route par là, on traverse un peu tout ça, on arrivait sur la grosse route. Je veux voir à quelle route on arrive exactement. Enfin, à quel endroit, précisément. Ah, c'est bizarre. Ah, j'ai aucune idée où je vais. Et d'un seul coup, paf! Alors, paf, la route. Un bail comme ça. Ouais, c'est à partir de là. Ok. Oui, donc c'est l'autre côté du pont, c'est cette route-là. Il y a celle qui descend en bas, c'est celui-là, donc on était ici. On était ici. Je crois que à partir de là, chemin, on traverse derrière, derrière l'église. L'église qui est là. Après, je me rappelle plus trop. On a une route qui montait là. Via Stavel. Ok. Via Stavel, c'est là. Donc on était là. Ça, c'est ça. Ouais, on est par là. Maison ici. On est là. On devine. 13 mètres. Suivant. Ouh. Ouh, on est bien là. Ouh. Ça y est, je commence à cerner la Suisse. Espérons que la prochaine on va pas tomber dans une forêt. Bus arrêt. Ok, on est dans la partie française. C'est une bonne nouvelle. Ça, j'irai moins. Ce sera moins chaud pour moi à trouver. Par contre, mais regardez ça! Mais regardez ce paysage! Cette beauté! Oh là là, j'adore la Suisse rien que pour cette beauté. C'est trop chanceux de vivre là-bas. Par contre, la descente là, j'ai aucune idée où ça va mener. Que ça va surtout traverser la campagne suisse. Route un peu en hauteur comme ça là. C'est très joli. Par contre, c'est très très joli. Ah, je soupçonne que ce soit une route en épingle. J'ai vu juste. Attends, il y a des panneaux. Attends, c'est marqué quoi là? Ah, mais montrez-moi les noms. C'est pas les Crozet Champoussin. Champoussin, trop bien ce nom.
Je valide le nom. Mon poussin. Enfin, champ poussin. Nice. Nice, nice, nice. Switzerland. Attends, c'est quoi ça, c'est quoi comme voiture ça? No? Ah non, c'est une. Voilà. Sur le gabarit, ça me faisait penser à une. Non, c'est un. Mazda, j'ai l'impression. Je sais pas trop. C'est une Toyota? Non, c'est une vieille Mazda. Qu'est-ce que c'est, un ancien modèle? Ça ressemble beaucoup à une Super 5. Je sais pas pourquoi. C'est la gueule. La gueule d'une Super 5. Oh là là, mais regarde, il doit être refait de vivre dans un truc pareil. Et puis cette herbe, mais regardez, c'est la qualité de cette herbe. Mais regardez ça, on dirait qu'ils ont posé de la pelouse, de la fausse pelouse. C'est tellement que c'est bien fait. Mais la Suisse, ça m'étonnera toujours. Ils font des travaux aussi soignés dans leur lieu de vie, etc. Bon, ils sont très bons. Oh là là, mais les rochers. Quand il faut faire attention de pas se le prendre en pleine face, ce truc. C'est quoi comme panneau, ça? Ah oui, c'est pour ceux qui voient pas. Attends, pourquoi il y a un panneau? Ah, c'est pour ceux qui voient pas là-bas à cause du rocher. Ok, d'accord. Oh, c'est bien pensé, hein. Par contre, je fasse attention parce qu'il y a cette route ici. Et c'est pas la route qu'on a empruntée. Faut que je prends en compte. Quand je prends en compte qu'il faut que je continue l'épingle plus haut. Bon, je vais tracer ça sur la map. Ok, là on a la descente. Hop là. Par contre, je sais pas combien de temps ça va durer les descentes en épingle. Ça risque de durer très longtemps. Val d'Illiez. J'aimerais bien descendre un peu plus bas. Ouais, la même chose ici. Val d'Illiez. Un truc intéressant. Champéry, Monteil. Il y a un autre panneau qui a été flouté. Place village. Montée, Champéry. Montée, Champéry. Je sais pas si je peux les voir d'ici. Montée, Champéry. Et donc je dois être peut-être à Trois Torrents. Non, Val d'Illiez, c'est là. Donc je suis monté sur les routes en épingle. Là, on a l'espèce de petit truc. Et on a un truc qui monte. On avait ces petites routes-là qui partaient. On avait lui qui passe par là. Donc, on était là. Vu dans du midi. Ok. On revient sur le point de start. Et là, on avait quelques maisons. Une route qui continue. Une route qui montait là. J'ai pas mal déplacé pour arriver un peu là-haut. Pralin. J'ai un arrêt de bus ici, c'est quoi? Marqué quoi déjà? C'est arrêt, oui, arrêt de bus, oui. Ok, oui. Oui, je sais que c'est un arrêt de bus. Mais je veux voir le nom du coin. Chemin de Barbelin. Ça. Chemin de Barbelin. Route des Crocets.
Chemin de Isa. Chemin de Barbelin. Il n'apparaît pas. Oh, c'est un peu plus loin. Là, on a un arrêt de bus. C'est celui-là. Là, une route qui n'a pas de nom. Petit. Ok. Ok, ça me m'aide pas du tout. Là, on a aussi un truc là. Bon, Pierre, je vais continuer plus loin et puis on verra. Panneau de panneau. J'ai pas l'impression de trouver un panneau. En tout cas, je suis dans le coin, ça c'est sûr. Mais où exactement, je ne sais pas. Pas du tout. J'espère que je trouve un panneau, une route ou je ne sais quoi. Ah, il y en a un là, par exemple. Chemin des Ravers. Il y a rien qui me parle. Peut-être que ces chemins ils ne sont pas répertoriés. Ouais, un petit peu débile en vrai. Ouais, je pense sérieusement que quand j'ai fait cette partie là. Là ici il y avait cette route qui est montée là-haut. Mais j'ai fait non, on va continuer en bas. Là ici on a l'espèce de d'épingle à cet endroit là. J'ai dit ouais on continue tout droit. Avant de descendre au village en bas. Soit on est plutôt au-dessus, ça c'est sûr. On est plutôt par là. Là des poussins, pralin. Là j'ai un pralin. Est-ce que c'est pralin? C'est par là. Je suis quand même arrivé sur une petite zone où il s'était marqué pralin, enfin, ou un bail du genre. Bon, ça se trouve, proche que ça en a l'air. On a quand même pas mal parcouru là. Ah, il y a un quad. Là, on a une route qui descend un peu, non. Si là, peut-être. Non, ça va peut-être vers chez des gens, ça. Ça va vers chez des gens, donc non. Pas prendre en compte. Ouh la vache. Ouh il est un peu complexe celui-là. Vraiment vraiment un peu complexe. Là faut se fier à la zone. Ok là notre épingle, les creusets, ouais c'est ça. Champ poussin, ok ouais c'est là-haut. On arrive ici. Et on regarde par là, on a route de Méronèse. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. On a monté à cette épingle là. Regardez de l'autre côté, en vrai. Si jamais je trouve un indice ou quoi que ce soit par rapport à la zone, ça m'aiderait beaucoup. En vrai, la Suisse, c'est pas facile. Hein. Coup de virage. Ouh, par contre, c'est un peu dangereux, ça. Route non salée. Eh ben. Oh là 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 là, mais regardez ça. Mais c'est incroyable, cet endroit. Il y a quoi en face? Massif du Chablais. Ah bah oui. Ah bah oui, là, je valide. Hein.
validé par la street, hein. Clairement. Là, on a un arrêt de bus ici. Parce qu'en vrai, un peu plus loin, il y a aussi un autre arrêt de bus. Peut-être celui-là. Moi, je pense qu'on est plutôt par là. C'est rien. On sait rien, c'est rien n'est marqué. C'est marqué quoi là? C'est quoi ça? Il y a un meumeu. Il y a quoi là? Endroit idéal pour les amoureux de Bretagne. Auberge, restaurant, Chicabi. Ah! Attends. Est-ce qu'il y a. Il y a une auberge. Ah, Champoussin, c'est là-haut. Ok. Mais du coup. Elle est des pickers. Auberge, restaurant, Chicabi. Non, y a, c'est pas indiqué sur la route. Ouais, ça mène chez eux. Au pire, plus haut, peut-être. Putain, mais par contre, cette montagne là, elle me hype. Un truc de fou. Oh là là. Oh, je serais comme un fou si je voyais des montagnes comme ça tous les jours. Hein. On en sera jamais. J'adore ça. J'adore les montagnes. C'est trop beau. Ok. Champoussin, les Crozets. Attends, on arrive à Champoussin là? Mais Champoussin, c'est là. Je suis arrivé là. C'est cette route là? Non, non, non. C'est celui qu'on a emprunté, c'est celui-ci. Ou là, ça fait partie de Champoussin. Ah, ouh, attends, on a une route qui monte là. C'est quoi ce chemin? Bus arrêt, oui. Route de Champoussin. Route de Champoussin. Donc c'est cette route là. Ce serait ça. Techniquement, on a un arrêt de bus ici. Ok, c'est bon. Ok, on en connaît bien sur cette route là. Chalet des Pickers. Ok, c'est ça. C'était le truc qu'on avait vu. Chalet Pickers, c'était là-bas. Normalement, si je suis quand même beaucoup déplacé pour aller jusqu'au chalet des Pickers. Là, on s'y approche. Ok, c'est ici. Ok, le chalet des Pickers, c'est là. Chalet des Pickers, c'est là. Là, on a une route qui descend. Le chemin des planches. Ça doit être ça. Ouais, ça doit être ici. Ok, là on continue tout droit. Normalement, oui, il y en a une espèce de virage et tout. On a un arrêt de bus. Arrêt de bus ici. Et là on a une autre route qui descend. On a. Attends, c'est marqué quoi ? Route des flats. Route des flats. Ce n'est pas ça. Route des Flats, si c'est ça. Ok, c'est juste qu'il y avait un autre nom dessus. Ok, donc. Ok, chemin des Crozets. Non, si on continue tout droit, on va trouver Fornay. On va trouver Fornay. Et j'espère trouver Fornay. Ça veut. Merci. Merci beaucoup. Non, c'est une route qui part sur notre gauche qui s'appelle Fornay. Ça doit être celui-là. Ça doit être lui alors. Et quoi là? Chemin de Barbelin. Donc en vrai, ce serait lui. Marque chemin des Barbelins, mais en vrai, ce serait lui. Peut-être que le nom a changé ou c'est une autre appellation. On a quand même un arrêt de bus à proximité, donc c'est peut-être par là. Il y a aussi un chalet, mais le chalet il n'apparaît pas. On revient au point de start, on est à peu près à cet endroit là. Qui monte. Ah, plutôt par là.
Bon, vous savez quoi? Allez, 10 mètres, c'est bon. C'est bon, on est là. Ok. Ouh, de la ville. De la ville. De la ville, mais comment sortir de là? Ok, bon, bah, pas besoin de poser plus de questions, on est bon. Bûcher. C'est quoi cet endroit? Pourquoi c'est flouté à chaque fois? Sagetras. 65. 70 km? 65 km de Sagetras. Merde d'être à le côté suisse. On fouille un peu plus que ça. Par contre, mais les routes, c'est. Mais la gestion des routes est ultra chaotique sur cette zone, ouais. The fuck. On va par là, écoute, hein, ça a l'air d'un axe principal. Ah, un rond-point. Le rond-point, c'est toujours intéressant. Décortiquant un rond-point suisse. Fribourg, Berne. Ok, Berne. Fribourg. Là, on a regarde olécu.fr, wesh. Ouh, le site web est mis à jour, c'est ça? Ouh, c'est Pogger. Attends, on va voir ça. Putain, le truc, le site qui spoil avant. Nice, sérieux. Pogger. Ah oui, oh, let's go. Let's go, le piaf. Mais oui, incroyable. Incroyable, le piaf. Le piaf, les amis. Le piaf est de retour. Oh, excellent. Nice. Le loiseau de la vidéo. Merci, Jouer Womb, pour cet incroyable cadeau. N'hésitez pas à aller regarder ça. L'oiseau incroyable. Tu vas le laisser combien de temps? Par curiosité. Nederwangen. Je ne vois pas où ça paraît. Regardez les autres panneaux. Est-ce qu'il y a d'autres panneaux? C'est très joli par contre. Mais je comprends pas. Oh. 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 Koniz. Schwarz. Je connais les musiques style Schwarz. C'est de la techno un peu accélérée avec une pointure de techno acide. Et c'est plutôt pas mal. Schwarzenberg. Alors, ok, Berne, Fribourg. Cet axe-là, Schwarzenberg. Schwarzenberg. Hello? No? Yes? Schwarzenberg. Là, on a Fribourg. Berne, Fribourg. J'ai eu ces panneaux. En vrai, je vais peut-être te check l'autoroute. Parce qu'il y a une autoroute à proximité. Judicieux d'aller voir l'autoroute là-bas. Voir c'est quel axe. C'est quoi comme autoroute? Techniquement, c'est ma quatrième partie sur la cinquième. La cinquième, je peux très bien me retrouver dans une forêt paumée. Hein. Ça va être chaud. on va jouer à la base de gauche-droite-gauche-droite. Ça va être très, très folklore. Mais très drôle. Ok, une autoroute Fribourg. Fribourg-Berne. Donc je suis entre Fribourg et Berne. Donc je peux être non, Berne c'est là, Fribourg c'est là. Je peux être entre les deux. Fort probable. C'est fort probable que je suis entre les deux villes. Point 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 point. Wiedmarhallen. 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 Où c'est marqué? Je sais pas où c'est. Au secours. La Suisse est trop grand. La Suisse a des noms partout. Tout se ressemble. C'est terrible. Non, je suis entre Fribourg et. Bon, ce qui est sûr, c'est que je suis entre Fribourg et Berne. On va voir le côté autoroute avec Fribourg. Ça se trouve, je suis vraiment à côté de Fribourg.
Et ça me dit, ah, vous êtes à 30 km de Fribourg. Et t'es en mode, en fait, c'est à côté. Ça va être ça le bail. Après, ça dénonce un peu. Ah, je sais pas. Non, pas ça. Je sais même pas dans quel lieu je suis en fait. On va trouver à Feibohag, Oschbo, Kievbo, Strassenbo. Ah, Burgdorf. Burgdorf. Et Daibonternegmung in der Region. Ok. Ah. Oh, il va ferrer. Pas mal. Ça c'est une onde rue. Par contre, ça m'indique une autoroute que c'est par là, mais non, non, c'est de là. Oh, très jolie maison, mais c'est pas l'air d'être, ça a pas l'air d'être là-bas. Hein. J'ai dû me gourer, je pense. Il y a largement moyen, je fais demi-tour. Attends, je fais demi-tour. J'étais troublé. J'étais troublé par la force. Revenons là où on en était. Oui, parking. Ah bah voilà, oui, bah c'était ça, j'avais pas continué l'axe principal. Je comprends mieux pourquoi. Je comprends mieux, je me dis, bah, ah c'est bizarre, c'est. Ça indique une autoroute, mais ça va pas vers une autoroute, c'est étrange. Ah bah oui, là oui, en effet. En effet, j'étais pas aidé. J'étais clairement pas aidé. Bon, maintenant reste à savoir, c'est quoi, ça va être quoi les panneaux. Ok, on en a. Ouh. Ouh, attention, c'est Pogger. Ouh là 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 là. Fribourg, Zentrum, Böhm, please, Bethlehem, Bethlehem, Bethlehem. Deux panneaux là, qui sont floutés malheureusement. Toujours floutés. On a quand même un petit belp. Belp. Je suis insupportable. Böhm, please, Bethlehem. Peut-être par là. Bien celle-là. Fribourg là. Peut-être là-dedans. Ouais, c'est dur. C'est très dur. Regardez un peu le pour l'autoroute en vrai. Mais ouais, c'est très dur. Belp. Il y a un aéroport à Belp. Ah, ouh, ah, ouh, attention. Ouh, attention. Ok, Vevey Fribourg. Vevey. Fribourg. C'est Vevey. Pas de Vevey? Vous êtes sérieux? Je suis au bon endroit, hein. Il y a pas de Fribourg hein, dans ce coin-là. Non, mais. Voilà, Fribourg, c'est. Ça parle du canton. Et ça parle pas du. Non. Non, je pense pas. Zurich, Basel, Zurich. Route à Zurich. Zurich, c'est là. Interlaken, Lausanne, Neuchâtel. Neuchâtel, Lausanne. Ouais, bah ça me paraît que je suis dans cette zone, peut-être. En plus, Bethlehem. Bethlehem? Mais enfin, mais monsieur, c'est pas par là qu'il faut y aller, hein, c'est. Mais c'est dingue ça! Mais ça va me rendre fou en fait cette map! J'arrive pas à me repérer. J'ai tous les noms, mais j'arrive pas à trouver l'endroit exact. C'est un truc de fou. Ça me rend fou, ça me rend fou cette histoire. Y'a quoi de l'autre côté? Rien de l'autre côté. Au début de la route là-bas.
Attends, il y en a des panneaux. Il y a des panneaux quand même de l'endroit où on vient. Fribourg-Cognize. Fribourg, c'est là. Cognize, c'est où? Arc-en-ciel. Pas mal comme nom, arc-en-ciel. Mais enfin, mais c'est terrible. J'arrive pas à mettre la main dessus. Et Fribourg, c'est là-bas, mais... Là, je suis à Fribourg depuis tout le début. Et qu'en fait, les panneaux, ils me disent « Ah, Fribourg !» Bah non, on est à Fribourg. Attends. Attendez. On va essayer de trouver le type d'autoroute. Ouais, on va prendre l'autoroute. Dans l'espoir que j'ai des panneaux qui indiquent les numéros d'autoroute. VV Fribourg. Je commence sérieusement à penser qu'en fait on est vraiment à Fribourg. Mais du coup j'arrive pas à comprendre pourquoi les noms aux alentours c'est pas ça. La Suisse, c'est très compliqué la Suisse. La Belp. Y a pas de Belp dans le coin. Mais Belp, c'est où? Wait, attendez. Ah, Cognize! Oh la vache! Mais attends. Si, c'est Belp, Cognize, mais. Je suis à Berne alors depuis tout le début. Quoi? Bethlehem. Mais oh putain, j'étais à Berne. J'étais à Berne depuis le début. Tu m'étonnes que je trouve pas. Tu m'étonnes que je trouve pas. Ah! Quel enfer. Ok. Dans ce cas, c'est où machin là, l'autre ville. Avec l'aéroport. Belp. C'est où ça, Belp? Je dis quand même pas, c'est sérieux. Ce pays me rend fou. Pour la deuxième fois, Ah bah Belp, c'est là. Putain, mais... Ah, c'est ça la route? Ah, c'est ça la route. Ça? C'est cette route-là? Attends, vous êtes sérieux? Et pas de panique. Nord. Là, ça doit être ça, oui. Ces routes-là. Là, on avait le rond-point. On était par là. On était là-dedans. On était à Cognize. Ok, c'est bon. J'ai trouvé. Bon, le but, c'est de sortir de là. Non, j'ai dit sortir de là. Ok, là on se retrouve sur cet axe. Axe de route, nord-sud. Il faut que je trouve un mini rond-point. On a un mini rond-point ici. Peut-être celui-là. Ouais, il y a une route qui part comme ça. What the fuck, mais c'est... Hein? What the... Quel est cet endroit? C'est flippant. C'est un peu flippant la Suisse par moment. Ça va aller. J'ai confiance. Ça va aller. Ça va le faire. Peut-être le faire. En tout cas, je suis sur. Je suis par là. Hein. Je suis dans cette zone-là. Bon, je regarde plutôt par là. Putain, je suis perdu. Ah non, c'est bon. Ok, le rond-point avec les tous les trucs, ça doit être ça, peut-être, je crois. Ça doit faire sens. Normalement, ça fait un espèce d'arc de cercle. Bon, vu que ici on était en travaux, évidemment, je devais du mal à me repérer. Mais oui, c'est bon. C'est bon, j'ai l'endroit. Ok.
Alors, on attaque, tac. C'est ces routes-là, alors. Bon, on avait le rond-point, le petit rond-point ici avec les trucs chelous. On revient sur la route là, on a un parc avec un une espèce de complexe du turfu, je suppose. Bah, c'est peut-être ça. Là, on a un bâtiment ici, ça va être celui-là. Et on devait être là-dedans. Normalement, on est là. Bon, une route qui part par là, on était caché derrière. 2 mètres. Oh, oh la vache. Oh la vache. Oh, il était dur celui-là. Oh, oh la vache. Autant les routes de montagne, c'est le plus long, mais ça va. Autant celui-ci. Ouf. Ouf, ouf, le coup dur. Par contre, je vais réussir à faire ça en... Peut-être en... moins d'une heure. C'est déjà un record. C'est un camping? Ouais, ça m'en a l'air. Bon, il y a un arrêt de bus. J'aimerais bien voir les indications de cet arrêt de bus, mais... C'est... Je vois un espèce de mi... Malheur, il y a un R et un E à la fin. 41, je sais pas. C'est mal. Ah, il y a celui derrière. Ah, bah, celui-là, on voit. Millière. ATGP, 41. C'est pas la route, ça, c'est. C'est pas nous. Enfin, c'est juste le réseau de bus. Attends, j'ai vu un panneau qui part par là. Ville de Genève, sève sans production, horticole. Ville de Genève. Genève, celle-là. Ah, mais Mérine, c'était ça que j'avais vu? Ça? Non, ça avait un autre nom. C'était pas très ressemblant. Ça doit pas être ça, là. Bon, continuons. Continuons. Ouais, marché de la ferme, enfin marché à la ferme plutôt. Un petit marché à la ferme. Si vous voulez acheter des produits directs. Ouh la vache, ça s'est effondré ça. Soit ça s'est effondré, soit il y a un truc d'excavation. Tiens, bro. Ok. Ouais, non, c'était plutôt des noms d'arrêt. Intéressant. Très intéressant. En tout cas, on doit être à proximité de Genève, ça c'est sûr. On vient de popper à une ville, mais j'ai pas les noms des villes. On peut avoir les noms des villes, s'il vous plaît. Merci. Pas de l'échelle France douane. Ah, ouh, la douane française. Attends, je suis à la frontière française. La Salève. Peut-être dans ce coin-là. De la française, pas de l'échelle. Allez, on peut aller par là. Attends, c'est par où qu'il faut y aller. C'est dans cette direction droite. Enfin, mais pourquoi je peux pas avancer? Ah, je peux que avancer, je peux pas aller par là, je peux pas aller dans cette direction. Il y a quoi là-bas? Il y a rien par là. Ok.
On est dans une ville. D'accord. Mais encore, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pharmacie de... Attends, est-ce qu'on va voir le nom de la ville là-dessus? Mais arrêtez de flouter les noms de villes! Mais ça me rend fou! Devez y aller. On peut la voir apparaître. Ah, Veir, c'est là. Ça lève, ok, c'est ça. Ok, c'est bon, j'ai. Ok, donc c'était cette route-là. Marché à la ferme, c'est ça. Ok, j'ai la route. J'étais à côté d'un camping. Il y avait un camping à côté. Celui-là. Bon, ça ressemblait à un camping, mais c'était pas vraiment un camping, peut-être. Alors, si on revient sur nos pas, en revenant sur nos pas, nous arrivons à... On a une espèce de petite route là, ville de Genève, Sèvres, centre de production horticole. Intérieur riverain, donc. Ok. Une espèce de petite route, un espèce de petit chemin. Ça va être ça. Ou alors ça. Non. Peut-être qu'il y a le nom des chemins. Peut-être. On va regarder plus loin. En tout cas, je suis dans la zone. Ça, je suis sûr. T'en as un panneau là. Chemin de Raffort. Arrêt. Chemin des Diossiers. C'est un qui est marqué pour ce chemin. Chemin de Raffort. Là, on va vers le sud. On descend vers le sud. Ouais. Plutôt au nord. Là, on a la verrier. On est dans cette zone-là. Un arrêt. Il y a tellement de noms de chemin, c'est un truc de fou. Attends, je vais revenir au point de start, mais cette fois-ci, j'essaie de trouver un chemin qui part vers la gauche. Alors ça. Alors ce panneau-là. Un chemin de la... Waouh, j'arrive pas à voir ce qui est marqué. Chemin de la Millière. Attends, c'est ça? C'est ça. Je vais marquer un peu plus loin, donc je suis à proximité de ça. Normalement, il y a chemin des marais. Attends, après, ça doit être ça, le chemin des marais. Rien qui est marqué. Privé, donc ouais, ça me paraît concluant que ce soit ça. Après, il devrait avoir un autre à côté, donc lui. Ah non, c'est plutôt une maison. Ça doit être ça. Ça doit être jamais, ça doit être ça alors. Et là, champ des bois, ça doit être. Alors là, on en a une. Une avec aucun panneau. Mais vraiment aucun de chez aucun. Ah si, là. Chemin de la Mythi. Ouais. Ce serait plutôt ça, chemin de la Millière. Ah, quel enfer. Cet endroit est chaud. Par rapport à derrière. Derrière, on a une serre. Donc, à mon avis... Attends, si je reviens au point de start. Ouais, la serre un peu derrière moi. Ouais, je dois être par là, je pense. Par là, tout cassé. Allez, on devine.
6 mètres. Ah, bah voilà. Voilà, là on est bon. Regardez, gold, incroyable. Oh là 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 là. Enfin on l'a fait, enfin on a réussi. La revanche est réussie. Alors résumons. Game Breakdown, résumons un peu tout ça. Alors, pour la première. Déjà je me rends compte, on a fait ça en moins d'une heure. C'est un objectif tout à fait réussi. Alors, pour commencer à 4997 points, à 28 mètres, 5 minutes et 49 secondes. Alors c'était... Ceux de Zurich. Je me suis dit, c'était grâce à ce petit truc là. En traversant là, j'avais un doute par rapport à mais c'est un pont, ah oui, non, il y avait une usine pétrochimique, etc. Enfin, j'en savais rien. Mais tout ce que je savais, c'est que j'étais à proximité de Zurich. Ça, en vrai, oui. Et aussi de l'aéroport. Bon, j'ai essayé de trifouiller un peu la zone, mais j'ai fini par retrouver. Je me suis aidé à partir de ces silos ici, qui avaient sur le côté, pour trouver la bonne route. C'était mon point. Le rang numéro 2. Le rang numéro 2 se trouvait à Schluen. Alors, ça m'a posé un petit peu problème, parce que j'avais un doute entre soit la Suisse italienne, soit la Suisse allemande. Sachant que ça avait des noms de villes un peu allemandes, alors que c'est dans la Suisse italienne. Donc j'étais un peu mode, ah c'est chelou. Mais bon, grâce à l'axe 19, j'ai réussi à me repérer par la zone. Notamment, il y avait Brel Briegel qui était apparu dans la zone. Je crois qu'il y avait même Shure et Films. Mais bon, en trifouillant un peu la zone, j'ai fini par trouver cette nom de ville. C'était un coup de chance jusqu'à trouver sur Schluen. J'ai essayé de chercher par rapport à les rivières, mais je me suis dit que c'était peut-être une mauvaise idée. J'avais raison. Pour le Rhône 3 qui a fait 10 mètres. On était à proximité de Valdilier. D'ailleurs, ça m'a pris un petit peu de temps. J'ai mis 16 minutes à comprendre un peu la zone. Par rapport à cette route-là et l'épingle au fond, j'ai dû essayer de maxer en fonction de l'endroit où je me trouvais. C'était pas très facile. Hein. Vraiment, je trouvais très honnête. C'était un peu chaud. Mais ça va. En vrai, ça va. C'est un petit peu chaud, mais ça va aller. À la quatrième, que j'ai mis 15 minutes et encore, j'étais complètement paumé. On était à Coniz. J'ai réussi à monter la route jusqu'à arriver à ici, à cette zone-là. Le truc, c'est qu'il y avait des panneaux qui montraient la direction de Berne, comme si Berne c'était loin, et aussi à Fribourg. Au début, je me suis dit, ouais, je suis à Fribourg, je trouve rien à Fribourg. Je me dis, mais non, mais c'est pas possible, tout, je comprends rien, etc. Puis après, en regardant un peu, je tombe sur Bumpis, juste là. Je suis en mode, what the fuck, BTM, what the fuck. Et après, Coniz. Après, en fouillant un peu plus à Coniz et tout, j'ai réussi à maxer, on était ici. C'était... Ah, j'ai un peu serré les dents, là. Et la dernière, avec un peu de chance, on n'est pas dans une forêt, mais proche de la frontière franco-suisse, on était à cet endroit-là. Côté d'un décès d'une serre. Proche de Verrier. De Veillerie. Bon. Eh bien, ce fut concluant. On a réussi. On est passé à Gold en Suisse. Prochaine étape, Portugal et l'Espagne. Et éventuellement, une revanche Australie, mais ça va être très très dur pour l'Australie. Mais en soi, ce fut concluant. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi ce live. Si vous avez suivi la VOD, merci à vous d'être passé. On se retrouve pour un prochain live dimanche. Et puis, exactement la même chose la semaine prochaine. Après, pour partir de décembre, partie 2, je vais modifier un petit peu le planning. Histoire de bien y se passer les lives, parce que 3 lives d'un coup à la suite, un soir, c'est un peu temps d'axe pour moi. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour la suite. Allez! Sur ce, je vais vous laisser. Je vais pas faire de raid ou quoi que ce soit. Vous pouvez aller si vous avez envie à voir quelqu'un d'autre et tout. C'est vous qui voyez. Et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. Et merci d'être passé.